Salutations famille, en espérant que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Comment avoir 1000 abonnés aussi rapidement sur YouTube et profiter des avantages qu'offre, on va dire, cette catégorie, on va dire, et ces nombres, on va dire, d'abonnés. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à avoir et difficile à la fois. Cher ami, c'est lancé sur YouTube, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de facile. Pourquoi? Parce que bon nombre ont essayé et ont abandonné par la suite parce que ce n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas facile du tout. À savoir, moi, je conseille, alors conseille toujours pour arriver jusque à vous montrer, à vous faire, on va dire, montre de toutes les possibilités qu'il y a pour avoir le 1000 abonnés. Mais bon, avant de parler de ça, je vous parlerai d'abord de ceux-là qui se lancent sur YouTube, on va dire, soit qui se sont lancés, qui ont arrêté, qui se lancent, qui s'arrêtent, voilà, il y a un tout petit peu... Plein de raisons. Il y en a beaucoup. J'ai écouté 2-3 personnes qui m'ont dit, mais comment tu fais pour ne pas perdre, on va dire, cette niaque, pour ne pas perdre, on va dire, le feeling, poster toujours, être toujours là. Donc, comment tu fais, en fait? Moi, je vais vous dévoiler un peu tout et pour vous aider, on va dire, toujours dans le but de vous apporter mon aide, en fait. C'est lancé sur YouTube, c'est quelque chose de compliqué. De l'or que on ne sait pas ce que l'on fait sur YouTube. Voilà, aussi simple que ça. C'est un peu compliqué de l'or qu'on ne sait pas ce que l'on fait sur YouTube. Et ça prend du temps en fait. Il y a d'autres personnes qui arrivent sur YouTube avec une idée. Ils arrivent sur YouTube, je vais parler de ça, je vais développer tel autre sujet. Et de fil en aiguille, ça passe, normal, crème, donc voilà. Sauf que... tenir, on va dire, le rythme, c'est un tout petit peu difficile aussi. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est un tout petit peu comme un moteur de recherche. Moi, je vous incite, tous ceux-là qui se sont lancés sur YouTube, qui ont essayé cette expérience, qui ont arrêté, qui veulent également se relancer sur YouTube. Family, il faut d'abord se poser la question, je fais quoi sur YouTube? Qu'est-ce que j'aimerais apporter, on va dire, de nouveau sur YouTube? Pourquoi? Parce que s'il faudra parcourir cette application sur cette plateforme, il y en a beaucoup, il y a du boire et à manger, on va dire. Il y a un peu de tout, c'est un fourre-tout, on va dire, d'informations. YouTube, en quelque sorte, c'est un moteur de recherche. Beaucoup de personnes y vont pour rechercher, on va dire, des informations, pour se former, pour s'amuser, pour se distraire, pour se divertir. Cela dépend maintenant de vous, en fait. Cela dépend de ce que vous faites sur votre chaîne YouTube, en fait. Vous pouvez bien parler de ce qui vous passionne. En ce moment-là, votre flamme de vos débuts poursuivra, on va dire, toujours, on va dire, son embrasement jusqu'à ce que ce sera vraiment grandiose, on va dire. Mais sinon, si vous faites du copier-coller, ce sera un tout petit peu difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez perdre très rapidement la volonté, vous allez perdre très rapidement et vous serez impatient, en fait. Vous allez perdre très rapidement cette envie de toujours être là, actif sur YouTube, on va dire. La première des choses est de savoir ce que l'on veut réellement faire sur YouTube. Soit vous serez dans le divertissement, soit vous serez dans la mode, soit vous serez dans les infos, soit vous serez dans de contenus qui sort du commun, vous parlerez de vous-même, parlez de ce qui vous passionne d'abord. En ce moment-là, vous allez entretenir la flamme et puis ce sera bon pour vous. En fait, pour revenir sur ce que j'allais dire par rapport à la rapidité à avoir 1000 abonnés, du coup, il faudra passer également par certaines étapes. En fait, vous avez votre chaîne YouTube qui nouvellement créée à, on va dire, une cinquantaine, à une trentaine, une vingtaine d'abonnés, une centaine d'abonnés, et que vous voudriez impérativement avoir une vitesse des croisières pour rassembler beaucoup plus de personnes et créer votre communauté. Combien même la communauté peut réunir 5, 6, 10 personnes, mais pour un début, ça vous servira énormément, alors énormément. En fait, il faudra premièrement être en ligne, être actif, on va dire, être actif, interagir toujours avec les personnes qui vous suivent, on va dire, sur YouTube.
entretenir, on va dire, une relation continue. Et puis être actif, je vais dire par là, d'abord poster des vidéos. Prenez votre temps, on va dire, de réaliser de très bons contenus, intéressants bien sûr, qui pourront impérativement également rassembler et attirer une certaine communauté de personnes. Et une fois vous trouvez votre communauté, une fois vous avez la possibilité, on va dire, de vous faire, on va dire, un tout petit peu suivre par beaucoup, alors beaucoup plus de personnes, vous aurez la niaque de toujours poster. Choisissez un jour, on va dire, de la semaine comme ça, 2-3, ça dépend, hein, soit mardi, vendredi, ainsi que dimanche, pour poster vos vidéos. Et vous devriez maintenir le cap, en fait. Tout le monde viendra à ces jours-là pour glaner un tout petit peu. Enfin, ceux-là qui ne recevront pas impérativement les notifications, puisqu'il y a ceux-là qui s'abonnent, qui n'activent pas non plus la cloche, et faute de quoi, vous aurez du mal à cumuler beaucoup plus de vues, beaucoup plus de heures, on va dire, de visionnage également, puisque ça compte tout ça là sur YouTube. Donc, vous devriez également passer sur, la publicité, c'est-à-dire promouvoir votre chaîne. Vous avez un réseau social, Instagram, vous avez YouTube, vous avez Twitter, allais-je dire, vous avez Snap. Donc, diffusez, on va dire, votre chaîne sur tous vos réseaux sociaux en ce moment-là. Vous aurez également la possibilité de rapidement rassembler, on va dire, de personnes. Et qui plus est, j'aime pas trop en parler, mais bon, vous pouvez également vous focaliser sur le fait ta pub pour avoir des abonnés. Mais là, ce sont des abonnés qui ne sont pas actifs du tout. Vous pouvez avoir 500 abonnés alors que vous réalisez simplement 10 vues, 20 vues carrément. C'est un peu bizarre, en fait. Pourquoi? Parce que passer par fait ta pub, ce sont des chaînes, on va dire, hein, qui font de live. Et moi également, j'ai essayé de faire ça, mais au fur et à mesure, je me suis dit, ça sert à rien, en fait. Autant poursuivre avec ce que l'on fait et accumuler une visibilité normale. Donc voilà, il y a la possibilité, comme je l'ai dit, de faire ta pub pour avoir des abonnés, sauf qu'ils sont inactifs, ces abonnés là donc ça ne vous servira à rien, en fait. La seule chose est d'aller sur YouTube, voilà, quelques vidéos, comment avoir 1000 abonnés, comment avoir 100 premiers abonnés, comment avoir 10 000 premiers abonnés. En ce moment-là, vous pouvez interagir avec les personnes qui ont déjà des commentaires dessus, hein, sur des vidéos en question, leur inciter, leur demander, sympathiser, on va dire, avec eux, de faire un tour sur ta chaîne, de te soutenir, ainsi de suite. Et puis, de faire, on va dire, le système de... qui s'abonne, enfin, entre guillemets, bien sûr, hein, qui s'abonne, je m'abonne en retour, ainsi de suite. Le jeu de ping-pong, on va dire, entre abonnés également, cela fera en sorte de faire monter, on va dire, en flèche votre chaîne, bien sûr. La première des choses, je me répète, c'est d'abord avoir un contenu intéressant. La deuxième des choses, c'est d'être actif, soyez là, soyez présent. Une fois que vous avez un commentaire, réagissez, gardez, on va dire, cette flamme entre vos abonnés ainsi que vous-même, votre communauté, en fait. Et puis, on va dire, faites ce que je vous ai incité. Si vous voudriez bien, le fait ta pub, voilà, s'il y a un live, vous y allez, vous cherchez des abonnés, ainsi de suite. Sauf que ce sera un peu inactif, mais ça vous aidera, on va dire, à combler un peu le trou, en attendant d'avoir des abonnés qui seront réels, qui vont réellement vous suivre, qui feront également partie de votre communauté, bien évidemment. Et au fait, family, je reviens sur un fait. Il y a certaines chaînes dont le propriétaire, on va dire, montre, on va dire, leur face tranquillement, figure normale, c'est présente, ok, parfait. Mais je vous demanderai une chose, c'est l'authenticité, au fait. Soyez vous-même. Ne faites pas du copier-coller, ne faites pas comme les autres, on va dire. N'allez pas, on va dire, chercher l'inspiration chez les autres, non. Faites ce que vous aimez d'abord. Pourquoi? Parce que quand on fait ce qu'on aime, on a l'impression de ne pas fournir d'efforts, on va dire. On a l'impression de s'amuser un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'on se dira, c'est mon kiff.
Voilà, je le fais parce que j'aime bien passer mon temps. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire tout ce que l'on fait qui ne nous rapporte pas assez de joie, qui ne nous rapporte pas d'argent, qui ne nous rapporte rien, on va dire. C'est quelque chose comme qui dirait une perte légèrement de temps, une perte de temps considérable d'ailleurs. Alors, considérable. Moi, je vous incite à aimer d'abord ce que vous faites. Si vous voudriez bien, on va dire, poursuivre votre expérience sur votre aventure sur YouTube, aimez d'abord ce que vous faites et puis ça va aller rapidement d'ailleurs, très très rapidement. Et puis, j'ai envie de dire, ne soyez pas figé, on va dire. Ne soyez pas figé sur la caméra, donc vous ne respirez pas. Ne suivez pas, on va dire, le code journalistique. Il faudra parler comme ça, il faudra être... Non. Soyez vous-même. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous allez même sur ma bannière, on va dire, YouTube, il y a écrit « Seule l'originalité compte ». Soyez original. C'est grâce à ça que beaucoup de personnes vont s'identifier à vous. Ne soyez pas comme un robot. Soyez là. Non. Soyez vous-même, en fait. Comme dans la vie de tous les jours, montrez-vous tel que vous êtes, on va dire. Ne jouez pas un rôle, sinon ça risquerait de vous... sauter, on va dire, de vous éclater à la figure carrément. Donc, soyez vous-même. Donc, donnez un tout petit peu de vous également pour recevoir beaucoup plus des autres. Aussi simple, c'est aussi simple, alors simple que ça. Et family, en espérant que cette vidéo sera utile à vous qui ambitionnez réellement de devenir youtubeur et d'avoir par ricochet beaucoup plus d'abonnés possible. Voilà, c'est quelques astuces, on va dire, qui pourront impérativement vous aider. Je n'ai pas parlé, on va dire, de miniatures, je n'ai pas parlé de tags, je n'ai pas parlé de tout ça là. Ça viendra avec le temps, en fait. L'essentiel, c'est d'abord être actif. L'essentiel, c'est de poster de contenu intéressant. Et ça suivra, en fait, naturellement, normalement. Le code de YouTube peut intervenir par la suite, simplement. Commencez d'abord tel que vous êtes là. Et puis, devenez bon au fur et à mesure. Ne cherchez pas caméra dernier cri. Ne cherchez pas téléphone dernier cri. Non. Avec tout ce que vous disposez, débutez d'abord avec ça. Ainsi de suite, vous allez vous améliorer, en fait. Une fois vous serez même, on va dire, de mieux faire un constat très rapide, voilà, il y a une évolution dans telle autre chose, et puis vous serez en même, on va dire, des vous épanouir, on va dire, sur YouTube, et surtout aller de l'avant. Ne soyez pas figé sur des erreurs que vous commettez. Tout le monde commet des erreurs, seules des machines qui ne commettent pas d'erreurs. Et puis, toute œuvre, on va dire, humaine, hein, est entachée des imperfections. Alors, ne cherchez pas à briser des imperfections, à être parfait sur tout le point de vue. Ce ne sera pas possible, pas possible du tout. Donc, comme vous le faites, comme vous l'imaginez, faites ce que vous voulez carrément. Faites ce que vous voulez. Il y aura des personnes qui seront là également pour vous. Vous êtes une petite chaîne, vous aimerez également évoluer. Abonnez-vous, moi également, je m'abonne carrément en retour. Et puis, je vous apporte mon aide d'ailleurs, ainsi que la visibilité dont vous avez réellement besoin. Moi, c'est Vima Oete. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bang, bang, bang! 'Cause I'm feeling so great.